Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous ai quitté ce matin, dans le fond j'ai fait une vidéo ce matin, mais j'ai fait des petits achats cet après-midi que je voulais vous montrer. Donc j'ai été à la friperie et au Dollarama. Fait que je vais juste vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. Au Dollarama, j'avais vraiment pas beaucoup besoin de choses. J'allais particulièrement juste pour des trucs de lave-vaisselle. Fait qu'il y en a 11 là-dedans. On l'utilise, mais pas tous les jours non plus. Là. Fait qu'on va faire un petit bout avec ça. Des grands sacs, on n'en avait plus. Les classiques céréales à Sam, puis moi je m'en ai pris aussi. J'ai pris un petit jus comme ça et mes galettes de riz préférées. C'est tout le temps que je mange, puis là je vais recommencer à me faire des lunchs, fait que ça va être parfait. Donc à la friperie, j'ai fait trop des beaux achats. Premièrement, je me suis pris un casse-tête. Je le trouve plus beau, il est à 1,25$, fait que vraiment pas cher. Et c'est parce que j'ai reçu un tapis pour faire, pour comme rouler le casse-tête, fait que ça prend beaucoup moins de place de ma belle-mère. Fait que je suis trop contente, je vais pouvoir commencer un casse-tête. Ok, trop belle trouvaille. J'ai trouvé ce beau par-dessus cardigan-là, tellement mon style. Mais regardez genre les petits boutons comment ils sont beaux. Genre, wow! Fait que... j'ai trop hâte de le mettre, là, je vais le laver, là, mais il est quand même long. Fait que je pense qu'avec un petit col roulé blanc, ça va être vraiment cute. Avec une belle paire de jeans, là, je pense que ça va être parfait. Et ce comme de pull là du garage rouge, c'est vrai, je sais même pas si j'ai du rouge dans ma garde-robe, mais je le trouve tellement beau. Puis genre, je sais pas si vous voyez la qualité, là, il est tellement doux, puis tout le monde dirait qu'il est neuf. Là. Il n'y a aucune maille de tirer. C'est un médium, il fait trop bien, sauf avec une belle paire de jeans ou avec même des leggings. Je pense que ça va être vraiment trop cute. Fait que pour le reste de l'hiver, je vais vraiment beaucoup le porter. Fait que je vais les laver et ensuite de ça, je vais pouvoir les mettre. Fait que c'est juste ça mes petits achats, mais je voulais vous les montrer parce que je trouve que c'est des belles petites trouvailles. Et là, ça m'est en train d'allumer le poêle. Puis moi, je vais faire un petit peu de bouffe. On est jeudi soir. Fait que je vais faire un pain de viande probablement. Puis je voudrais faire des galettes pour passer les bananes qui sont déjà plus bonnes. Fait que ça va être ça le plan de la soirée. On se reparlera plus tard. Je suis méga contente. J'ai fait un bon pain de viande que je vais envoyer au four tout de suite. J'avais ce beau petit plat-là que j'ai reçu. Je pense que c'est ma grand-mère qui m'avait donné ça. Fait qu'un bon pain de viande. J'ai pris la recette de Chef Cuisto. Puis j'ai aussi pris la recette... de biscuits moelleux aux bananes et chocolat. Oh non, je pensais que c'est le même site. Mais c'est recettes du Québec. Je vous les mettrai toutes les deux en barre d'infos. Vraiment simple à faire. Puis regardez mes galettes, ça m'en a tellement fait. Ici, j'en ai 9. Plus 9. De... ouais. Plus, je pense quasiment 9 aussi. Fait que j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Puis ils vont être délicieuses. Puis petit truc que je fais, là, moi, je fais fondre mon chocolat. Fait que c'est pour ça qu'ils viennent comme ça, puis j'ai l'impression que ça goûte vraiment plus le chocolat et les bananes. Ça va être délicieux. Je suis contente, j'ai tellement l'impression d'avoir été productive aujourd'hui, là. C'est fou. Genre, j'ai lavé mon plancher, j'ai lavé mon frigo. Mon frigo était tellement dû, mais ça l'a fait trop de bien. On dirait qu'en ce moment, il est vide. Mais j'aime tellement ça parce que tout ce qui est dedans, je sais que c'est encore bon, fait que c'est tellement mieux. J'ai fait de la bouffe, j'ai lavé notre lit. J'ai tellement été productive, puis là, on est jeudi dans le fond, et demain, je serai pas ici, je vais aller travailler au bureau toute la journée pour planifier ma semaine. Les semaines qui s'en viennent, je vais aller laver mon bureau aussi, fait que passe la balayeuse, nettoyer mon bureau, mes tablettes et tout ça. Fait que c'est ça que je vais faire demain, je pourrais vous apporter avec moi dans cette journée-là. Puis je serais vraiment contente aussi parce que j'ai été full active, je trouve, sur YouTube, en tout cas dans les derniers jours. Fait que c'est vraiment plaisant, merci d'être là, je vous le dis tout le temps, mais merci de m'écouter. Puis, c'est ça. Je suis juste vraiment contente. Fait que, trop belle soirée. Tellement productive. Ça m'a allumé un petit feu. Je suis trop bien dans la maison. Fait que, je vais envoyer tout ça au four. Puis, ben ça, on s'en reparlera plus tard. De ménage au bureau. Je suis en train de laver mes tablettes avec mon détergent. Non, pas mon détergent, mais mon nettoyant tout usage de maison lavande. Hello! On est rendu vendredi après-midi. Ben, il est 1h et je vous ai filmé un petit peu tantôt. J'ai fait le ménage de mon bureau. On voit ma petite bouteille avec mon nettoyant tout usage de maison lavande.
Puis l'odeur, c'est fleur blanche et lavande. Ouais, fleur blanche et lavande. Oh mon Dieu, ça sent tellement bon. Moi, j'adore sous-bois et lavande, mais pour vrai, là, ça a presque envie d'à côté. Ça sent le ciel, pour vrai, ces produits-là. Je les adore. Et j'y passe la balayeuse. Et ce matin, on est allé déjeuner au restaurant, moi pis Sam. C'était trop, trop le fun. Puis je bois un bon café dans ma tasse que je vous ai pas montré. Regardez-moi cette beauté. Je pense pas m'en remettre. C'est dans la compagnie À La Roque Design. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Puis je vais regarder sur mon portable parce que j'ai un code promo pour vous. C'est pas là-dessus que je veux aller voir. Ouais. Hey, je l'aime tellement. Je le trouve trop beau. Avec ça, elle m'envoyait comme des bloc-notes. Je trouve ça malade. Fait que ça, dans le fond, je suis ambassadrice pour la compagnie maintenant. Et le code, je vais vous l'écrire aussi, là, c'est INFLUENCE15 en majuscule pour avoir 15% de rabais. Elle sort vraiment souvent des nouvelles collections, là, puis ça, c'est comme la collection d'hiver avec le Grinch et son chapeau rose. Je m'en remets pas. Fait qu'aujourd'hui, journée quand même productive. Je me suis vraiment bien en mou. Avec un petit bandeau vraiment simple. Et ça, dans le fond, c'est comme pour me faire un gros reset par rapport au bureau. Fait que de tout planifier ma semaine, mes prochaines semaines justement, fait que je me suis faite comme une feuille avec toute ma liste de clients. Puis j'ai quasiment réécrit à tout le monde pour savoir, tu sais, pour reconfirmer les rendez-vous. Puis là, j'essaie de placer tout le monde pour que ça fonctionne. C'est difficile parce que moi, dans le fond, la plupart de mes clients, je les vois comme le soir, puis tout le monde voudrait tout le temps être à la même heure. Fait que là, je peux pas être à 3 clients en même temps à 5h30, vous comprenez? Fait que c'est comme d'organiser tout ça, mais à date, ça va bien. Ma semaine de la semaine prochaine est déjà presque toute pleine, bookée. Puis je pense que j'en avais pas parlé, là, mais tu sais, mon retour au travail, je le vois vraiment positivement parce que je vais être presque 100% à mon bureau. Fait que je suis trop contente. Ça va être vraiment cool. Fait que là, ça, il est 1h. Je vais continuer à faire mes petites affaires. Je vais prévoir un petit peu mes rencontres justement pour la semaine prochaine. J'ai du matériel que je voulais faire sur Canva aussi là, que je voulais comme me créer, faire imprimer plusieurs fois que je vais pouvoir utiliser avec des clients. Fait que ça va être mon plan de match pour la journée. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Bonne question, on verra avec Sam ce soir. Et demain aussi, là, ça va être un week-end tranquille. Dimanche, je suis supposée faire de la sauce à spaghetti avec ma mère. Fait qu'à voir si finalement on en fait, mais je vais vous apporter avec moi, c'est sûr. Donc, quand je vous dis la gang que j'ai littéralement toujours mon chandail du Aerie. La preuve, ça doit être la 4e fois que je le mets cette semaine. Je m'en fous. Regardez, il fait bien avec tout, genre, tout. Je l'ai mis avec une paire de jeans full basic, puis je mets la petite veste, genre sans manche, bench noir, avec un foulard, puis ça va être vraiment cute. Je l'adore. Je m'en veux. Oh my god, je l'ai-tu mis à l'envers? Ok, non. je m'en veux de pas l'avoir pris dans d'autres couleurs. J'aurais vraiment, vraiment dû. Je l'aime. Clairement mon genre de morceau que je mettrai tous les jours. Hello, on est rendu samedi, ouais, samedi midi. Péripétie du matin. Ah, ce matin je me suis levée, on n'avait plus d'internet, plus de TV. J'ai plein de gouttes dans mes lunettes, c'est vraiment tannant. Ouais, et je vais vous conter rapidement ce qui s'est passé. J'ai l'air d'une fille qui paye pas mes affaires, mais non. C'est que dans le fond, j'ai mon internet à mon bureau, qui est avec la même compagnie de mon internet et la TV de la maison. Et quand que je paye, moi, ils m'ont toujours dit de faire ça comme ça, quand ils m'ont expliqué, les petites madames au début. Je payais, exemple, sur Accéder, là. Bref, fait que moi, je payais ma facture d'internet de bureau, puis je payais aussi mes trucs d'ici. Bref, fait que là, ce matin, je me lève, plus rien, donc j'appelle au soutien technique. Et là, ils finissent par chercher. Je parle à 3 personnes. Et ils finissent par me dire que dans le fond, ils ont coupé mon internet et ma TV parce que je ne payais pas. Et là, je suis comme, ben ouais, je paye à tous les mois. À tous les mois, là. En plus, je sais exactement le montant que je dois à tous les mois. Fait que bref. Et là, ils continuent à regarder. Et là, ils se disent, ah, ok. Ils disent, je vois ce que vous avez fait. Dans le fond,
tout l'argent que je mettais pour payer ma TV et mon Internet, dans le fond, je le mettais aussi pour... C'est comme si je payais mon bureau. Fait que genre, il y a le montant, là, c'est quasiment 500$ que je devais. Mais il est là, là. Genre, il le voit, mais il est pas dans le bon compte. Malaise. Fait que là, ils m'ont coupé mon Internet et ma TV pour la fin de semaine. Donc là, on est samedi matin, samedi midi. Moi, là, ça me prend toujours la TV, OK? J'ai toujours la TV en fond, même si je l'écoute pas. La TV vire toujours, 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 toute la journée chez nous, à part quand on n'est pas là. Fait que là, et là, vu que dans le fond, moi, je fais vraiment affaire avec comme la compagnie de mon village, bref, le soutien technique comme plus haut placé ne pouvait pas le faire. Fait que là, je suis comme ça pendant 2 jours de temps et je dois appeler lundi matin pour comme expliquer la situation puis qu'ils rebranchent mon Internet et ma TV. Mais comme, Seigneur, j'ai de l'air d'une mauvaise payeuse, genre ils vont dire. Mais ce qui me fâche, puisque je parlais avec mes amis tantôt, c'est qu'ils m'ont jamais envoyé d'email, ils m'ont jamais appelé pour me dire comme, bonjour Madame Bégin, vous payez pas depuis genre tel mois, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Parce que là, on va devoir couper votre... Tu sais, me le dire! Moi, dans ma tête, je payais mon bureau, puis je payais mes choses à la maison. Pourquoi, genre, ils m'ont juste jamais appelé pour me dire, ben là, en ce moment, vous devez quasiment 500$, donc on vous coupe ça. Tu sais, j'aurais compris la situation, puis genre, j'aurais juste dit, ah, mais voyons, je paye, puis on aurait arrangé la situation tout de suite. En tout cas, fait que... Mais c'est pas grave, j'essaye de trouver du positif là-dedans. Et j'ai fou avancé mon casse-tête, j'ai fait du lavage, j'ai lavé mon auto, l'intérieur de mon auto, avec mon nettoyage d'usage de maison d'avant, ça va tellement sentir bon, tu sais, j'ai lavé vite, là, on est en plein hiver aussi, là, c'est pas l'idéal, mais au moins mes surfaces pis tout, pis ça fait vraiment propre, ça fait du bien, fait que j'ai été productive, et là, je m'en vais à l'épicerie avec ma mère, fait que c'est correct, je vais voir ça positivement, ce soir, Samuel il joue au hockey, on va aller voir jouer au hockey, pis c'est pas grave, je vais tricoter. Je vais faire plein d'autres choses que d'écouter la TV. Puis j'espère que je vais en ressortir vraiment grandi de cette histoire-là. Je sais que c'est vraiment niaiseux de dire comme ça. Mais quand même, je me dis que ça va m'apprendre à apprécier mes moments sans écran. Puis dans le fond, c'est là qu'on se rend compte qu'on est tellement accro à ça parce que ce matin, là, j'étais comme déboussolée. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma fin de semaine? Hey, j'en ai du stock à faire là, dans ma fin de semaine. Je suis quand même en masse de m'arranger. Puis... Ça, c'est une des choses que j'apprécie d'avoir mon bureau. Ce matin, je voulais faire du travail, par exemple. Puis je m'étais dit, je vais travailler d'ici. Mais tu sais, j'aurais clairement pu aller juste travailler au bureau puis juste gosser sur mon portable, même pas à faire du travail, mais à écouter quelque chose sur YouTube ou sur Netflix. Mais avoir mon bureau, c'est genre, ça me fait vraiment une autre petite place qu'ailleurs à ma maison. Mais tu sais, je pourrais clairement aller chez... Là, je vais aller chez ma mère, mais j'aurais clairement pu aller chez mon père aussi. Là, tu sais, c'est comme... Mais quand même. Fait que on va voir ça positivement. J'essaie de... tourner ça positif, puis je vais quand même passer un beau week-end, je vais faire d'autres choses, puis c'est correct. Fait que, je voulais vous compter cette péripétie-là. Péripétie, mon Dieu. Ah, je trouve ça tellement niaiseux de ma part, mais aussi de leur part, dans le sens qu'ils auraient dû m'appeler. Mais bon.